vous présenter notre 13e édition des rencontres de Film Femmes Méditerranée. Alors, Film Femmes Méditerranée, vous le savez, mais je répète quand même, fait la promotion des réalisatrices de la Méditerranée et tente de porter leurs paroles dans des temps où les combats continuent, où la situation des femmes ne progresse pas toujours autant qu'on le voudrait, c'est un euphémisme, et souvent les films des réalisatrices que nous sélectionnons montrent tous ces combats-là avec beaucoup d'enthousiasme et d'énergie. En 2018, comment ne pas faire le lien avec 68, et pour les quelques 68 timbres qui sont au sein de Film Femmes Méditerranée, dont je me sens totalement solidaire, eh bien, il y a des sujets qui sont toujours d'actualité. Et la question, mais qu'est-ce qu'elles veulent? Ça nous a interpellés, n'est-ce pas, les anciennes, mais ça interpelle aussi nos filles, nos petites filles, et c'est un sujet toujours d'actualité. Alors c'est le thème majeur fort de ces 13e rencontres que nous présenterons, j'allais dire comme d'habitude, au travers d'une quarantaine d'œuvres qui sont souvent inédites, des longs et des courts, des documentaires, des fictions, des web-créations. Donc nous travaillons dans la continuité de ce que nous avons fait les années précédentes, et la plupart de ceux qui sont dans cette salle nous suivent depuis un bout de temps, mais il y a aussi quelques changements. Les changements importants qu'on n'a pas toujours voulu, c'est sur les lieux et les salles. Les variétés qui étaient notre partenaire de longue date sont en travaux et n'ont pas pu nous accueillir, donc heureusement d'autres lieux peuvent nous accueillir, dont la Fabrie. L'innovation, la principale innovation, j'y reviendrai, mais surtout Karine vous en parlera de la journée professionnelle. Et c'est une année forte, une année colorée, une année sous le signe de la pastèque et sous le signe de l'Italie. Et nous commencerons donc ces rencontres au Mucem. Je remercie la représentante du Mucem qui est là, Zoé. Merci Zoé de nous accueillir. Partenariat de longue date, mais encore renforcé cette année, c'est ce qu'on disait à l'instant. Donc nous démarrerons le vendredi 5 octobre au Mucem avec un film italien, Heureux comme Lazzaro, un film d'Alice. Alors, c'est pas du tout italien, hein, que nous connaissons bien puisque nous avons déjà sélectionné des films de cette réalisatrice.